We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning, dzień dobry. Welcome, everyone. Thank you for joining us at the main session. Bonjour et bienvenue à tous à cette session principale sur la coopération numérique. En pratique, nous parlerons concrètement de l'activité de coalition dynamique. C'est de celle-ci que nous parlerons, comme d'autant d'exemples de mécanismes de coopération multilatérale dans le domaine du numérique. Nous commencerons par écouter des représentants de coalition dynamique qui nous parleront de la manière dont leur travail apporte sa pierre à l'édifice qu'est le débat concernant les sujets qui nous occupent. Lors de la seconde partie de ce colloque, nous discuterons de la manière dont les coalitions dynamiques peuvent apporter à la coopération numérique et de la manière dont elles peuvent renforcer plus encore, plus avant l'IGF. Nous entendrons les interventions de plusieurs invités représentant entre autres le département des Nations Unies aux questions, aux aspects socio-économiques, le groupe multilatéral MAG, ainsi que le bureau technologique du secrétariat général des Nations Unies. Pour ce qui est donc des coalitions dynamiques, rappelons qu'il en existe 17. C'est donc un groupe assez large. Nous espérons qu'il nous sera possible de nous pencher sur ces sujets qui sont particulièrement importants pour ce qui est de leurs activités. Nous parlerons pendant une première session de 40 minutes. Le travail des coalitions dynamiques est particulièrement important pour le forum de l'IGF, mais aussi par rapport aux défis liés à la gestion d'Internet, la gouvernance Internet, et des défis d'une manière générale affectent notre planète. Souvenons-nous en effet que ces défis sont nombreux. Il y a la crise mondiale de la santé, il y a les changements climatiques, sujets brûlants. Ce sont des sujets qu'il nous faut soulever, ainsi que la sécurité, les droits de l'homme et leur respect ou non dans nos sociétés, les changements qui affectent dynamiquement nos sociétés, et la coopération numérique, la coopération multilatérale est aujourd'hui plus nécessaire que jamais auparavant. Nous réfléchirons à la manière dont les coalitions dynamiques pourraient nous aider à résoudre les problèmes liés à l'activité dans le domaine du numérique. Je vais donner la parole à Madame Tatiana Tropina, qui est universitaire, qui est avec nous en ligne. C'est un format hybride. Et d'ailleurs, nous ne sommes que deux sur place. Nous avons 5 personnes connectées en ligne. Tatiana, la parole est à vous, je vous en prie. Bien. Commentons d'abord la première zone d'activité des coalitions dynamiques. Bonjour Jenny, bonjour et merci de me donner la parole pour commencer. J'espère que cette session sera instructive et intéressante pour nous tous. Quelques remarques en guise d'introduction concernant toutes les coalitions dynamiques. Les représentants de ces coalitions prendront la parole aussi bien ici à Katowice, là où vous êtes, que sur Internet. Et je demanderai à tous de respecter le temps imparti, qui est de 3 minutes par intervention. Merci de ne pas dépasser ce temps, car il nous faut respecter les délais. Comme je l'ai dit, ou comme l'a dit Jennifer, nous allons commenter des sujets brûlants, des sujets qui demandent une coopération multilatérale, ainsi que l'engagement de coalitions dynamiques. Nous savons que ces coalitions font beaucoup pour ce qui est de ces sujets, le premier étant celui de l'égalité entre les sexes.
Je voudrais ici m'adresser aux représentants d'une des coalitions dynamiques qui se penche justement sur ce sujet. Je vous demanderai de commenter la question de l'égalité entre les sexes, l'égalité des droits, ainsi que les inégalités sociales d'une manière générale et dans le domaine du numérique. Comment pouvons-nous faire en sorte que toutes les politiques numériques prennent en considération le sexe et les sexes et les égalités de droit entre eux. Je vous en prie. Je n'entends pas, hélas, de réaction et j'ai quand même l'impression que nous avons perdu la connexion avec notre représentante de la coalition dynamique que je voulais justement interroger. Mais peut-être quelqu'un d'autre voudra-t-il ou voudra-t-elle commenter le sujet. Car si ce n'est pas cette coalition, peut-être que... Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette question pour plus tard. Et si la représentante de la coalition que je voulais interroger se reconnecte, nous reposerons la question. Passons à la coalition dynamique s'occupant dans ce cas de l'accès public aux bibliothèques. Nous concluons des rapports que nous avons reçus que votre activité est particulièrement importante dans le contexte, entre autres, de la crise qui nous occupe aujourd'hui. La question concerne donc la manière dont les activités de cette coalition peuvent participer peuvent aider à assurer un accès égal, libre et entier aux collections des bibliothèques. Je ne vois pas la personne de la coalition à laquelle je m'attendais. Je ne sais pas si le représentant ou la représentante de... Ah, si. Voilà. Je vois qu'on a... On a l'accès aux bibliothèques. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être connectée. Et de pouvoir prendre la parole. Je représente la coalition dynamique aux affaires concernant un accès libre, ouvert et entier aux collections des bibliothèques. Je pense que c'est vraiment un domaine, un segment qui s'inscrit pleinement dans l'idée d'accès au savoir, à la connaissance. Je pense qu'il importe de souligner ici quelques tendances de base que nous remarquons dans notre travail au quotidien, dans les travaux que nous avons menés ces quelques derniers mois notamment. Je voudrais avant tout souligner la flexibilité, mais aussi l'innovativité pour ce qui est de l'accès aux collections des bibliothèques avec l'utilisation des techniques numériques, techniques Internet, Wi-Fi, hotspot. On a des hotspots qui sont organisés dans les bâtiments des bibliothèques et qui peuvent assurer aux usagers un véritable accès aux collections. L'idée étant de ne laisser personne sur le carreau, de faire en sorte que tous aient un accès aux collections des bibliothèques, même ceux qui n'ont pas Internet à la maison. Il est très important de faire en sorte que chacun puisse jouir des connaissances qui sont emmagasinées dans les bibliothèques. L'idée étant de pouvoir, par exemple, participer à profiter de la formation tout au long de la vie dans les bibliothèques, justement. Et nous sommes complètement ouverts sur ce sujet. Nous pensons que ce sont des outils flexibles qui devraient être à la disposition de toutes les parties intéressées. Nous publions des travaux et menons des travaux sur les consignes en matière de politique publique qui mettent l'accent sur la mise à disposition de ce type de techniques, entre autres techniques basées sur les larges bandes passantes Internet. Nous avons publié il y a quelques jours un document de travail concernant les conséquences positives d'un accès libre, plein et entier sur les collections des bibliothèques, sur les connaissances, et ne serait-ce que les connaissances concernant les politiques régionales. C'est
Ce sont des données que nous avons collectées. Nous voyons de quelle manière les utilisateurs utilisent ce type de mécanisme d'accès à Internet. Je sais que sur certains domaines, nous avons des preuves montrant que les besoins sont criants. On a besoin que les employés des bibliothèques soient en mesure d'aider les usagers à chercher les sites Internet qui pourraient les intéresser. Et ce sera tout de mon côté. J'espère que je me suis tenu aux 3 minutes et que nous pourrons continuer à travailler comme nous le faisons. Vous êtes dans les temps, vous êtes parfaitement dans les temps. Je ne peux que vous remercier. Je suis heureuse de pouvoir modérer cette session parce que, vous savez, les travaux des coalitions, de coalitions telles que la vôtre, m'intéressent au plus haut point. Nous allons pouvoir passer maintenant au sujet suivant, qui est celui de la neutralité du réseau. Je crois que Chris est avec nous. Chris, qui est représentante de la coalition qui s'en occupe, justement. Vous avez rappelé dans le rapport que vous avez publié le fait que vous entendiez souligner l'importance de l'ouverture d'Internet, notamment en temps de crise. Donc, de votre point de vue, du point de vue de votre coalition dynamique, que pouvons-nous faire pour faire en sorte que le réseau, que la toile, demeure véritablement neutre? Merci. Je vois qu'on me voit. Je ne me voyais pas auparavant. J'avais peur de rester invisible. Mais non, je suis là. Merci beaucoup. Je voudrais mentionner effectivement ce rapport que nous avons publié, que vous avez commenté. J'ai parfois du mal à respecter le temps imparti. J'espère que j'y parviendrai aujourd'hui. Je ne représente qu'une des 17 coalitions dynamiques. Nous aurons l'opportunité de commenter d'autres aspects importants. Aujourd'hui, notre coalition dynamique se concentre sur l'interopérabilité. Le rapport que nous avons publié est consacré à ce sujet, justement. Tous les membres de notre coalition ont eu l'occasion d'apporter leur pierre à l'édifice. Je voudrais souligner que nous nous concentrons sur la neutralité, effectivement. Mais vous l'avez dit. Pourquoi ? Parce que la neutralité, c'est absolument primordial. La neutralité est une condition sine qua non, car toutes les plateformes Internet qui fonctionnent sur la toile doivent être neutres, doivent pouvoir être compatibles avec les autres, systèmes. C'est absolument nécessaire. Donc c'est quelque chose dont il faut s'assurer en coopérant avec les divers systèmes. Même quand on a un système qui a été créé par une autre société, une autre entreprise, il faut toujours qu'on ait une possibilité de coopération. C'est pourquoi la neutralité est absolument cruciale. Afin qu'Internet puisse fonctionner. Alors, ça paraît simple comme ça, ça ne l'est pas toujours. On travaille avec différents groupes, avec Telegram, avec Signal, avec Facebook. L'interopérabilité est extrêmement importante. C'est là-dessus que nous nous concentrons. Nous discutons, entre autres, avec des organes de réglementation et avec diverses parties prenantes, privées également. Nous avons mis au point nous avons publié une synthèse qui résume notre position par rapport à l'interopérabilité, et nous voyons que nous avons besoin d'une vision claire de nos travaux à l'avenir sur ces sujets. Le deuxième aspect concerne la réglementation, les cadres juridiques. Je pense qu'il serait bon ici de citer l'exemple de la France et de la Norvège, où les législateurs ont fait beaucoup pour assurer la neutralité de la toile. Vous savez tous, je pense qu'il y a 5 ou 6 ans, on a commencé dans divers pays à adopter des lois, des outils juridiques disant qu'il fallait assurer la neutralité et l'ouverture d'Internet. Mais qu'est-ce que l'ouverture d'Internet? En fait, ça peut vouloir dire, le mot ouverture peut signifier quelque chose d'autre selon les individus, selon les pays. Donc,
C'est très l'approche mexicaine, l'approche brésilienne, l'approche du Royaume-Uni, ce sont des choses complètement différentes. Il y a aussi un commentaire que je voudrais faire, qui est que dans le passé, nous avons eu affaire à divers problèmes concernant l'accès des créateurs de contenu aux besoins signalés par les usagers. Je pense ici à YouTube, à Netflix, à diverses plateformes de ce type. Et c'est à cela aussi que nous faisons référence. C'est un souci de plus en plus pesant. Nous coopérons avec des spécialistes coréens, entre autres, qui nous ont beaucoup aidés. Je dois dire, notamment pour ce qui est des discussions avec des plateformes comme Netflix. Donc, je veux dire que oui, c'est quelque chose de tout à fait préoccupant, la neutralité. Il y a quelques années déjà, on disait que c'était important. Et rappelons-nous que les travaux de notre coalition ont commencé il y a 7-8 ans. C'est en 2013 que nous avons commencé à travailler. Je ne sais pas si vous en commencez, si vous en souvenez, ça avait commencé à Bali. Donc voilà, maintenant, nous voilà, 7 ans plus tard, 8 ans plus tard, on est en train de parler sur Skype, on ne vit plus dans le même monde, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais en même temps, la neutralité, l'équité de traitement de diverses entités sur des plateformes comme Skype, comme Zoom, c'est quelque chose qui reste un sujet qui demeure brûlant, mais d'une autre manière. Il s'agit d'atteindre les entreprises. Les entreprises qui publient des contenus sur le réseau. On considère qu'on a absolument besoin de cadres juridiques plus larges et je pense que c'est un aspect important dont nous aurons à parler encore à l'avenir. Je crois que ce sera tout pour cette fois pour ce qui est de ma description de nos activités. Merci beaucoup. Merci Chris et bonne chance. Pour les cours auxquels tu reviens. Une chose qui m'a frappé dans les journaux ces derniers temps, j'ai lu le journal pensant tout le temps au sujet de la coopération numérique. Et j'ai pensé qu'il y a toujours encore deux coalitions dynamiques. Au sujet de laquelle je ne sais pas si nous avons des représentants sur la plateforme Zoom ou à Katowice. Parce que je me suis rendu compte qu'une coalition dynamique qui s'occupe de la connectivité mondiale a rejoint assez forte avec la coalition pour la neutralité du réseau. Alors je voulais poser la question suivante. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour garantir un Internet ouvert pendant la crise du point de vue de la connectivité? Jane, si tu es avec nous, essaye de répondre à cette question. Si Jane n'est pas là, je vais peut-être répondre. En effet, la coalition dynamique qui s'occupe de la neutralité du réseau coopère de près avec la coalition dynamique qui s'occupe de la responsabilité des plateformes, ainsi qu'avec la coalition dynamique qui s'occupe de la connectivité. Donc si Jane n'est pas là, c'est moi qui vais essayer de répondre à cette question. Merci Chris. Peut-être que Jane va nous rejoindre un peu plus tard. Alors si je vais passer la voix à Jennifer, que je ne vois pas dans notre chambre. Sur Zoom, peut-être qu'elle est à Katowice. Et s'il n'est pas, je reviendrai vers Jennifer plus tard. Je suis là, merci Tatiana, mais je ne vois pas Jane ici sur place à Katowice. Je suis certaine que nous avons encore le temps de revenir à Jane et les autres coalitions dynamiques plus tard. Alors maintenant, sans trop prolonger, nous pouvons passer plus loin. Parlons du développement durable environnemental et des changements climatiques. C'est un sujet brûlant, sujet de débat
Aujourd'hui, cette année, pendant l'IGF, et c'était aussi le cas l'année passée, lors du sommet numérique. Alors maintenant, j'aimerais passer la parole à la coalition IRPC pour les droits et les principes. Je me demande si nous avons un représentant de cette coalition avec nous sur Zoom. Santosh semble être avec nous. Donc, nous savons que ta coalition dynamique que tu représentes s'occupe d'un spectre de problèmes ayant affaire aux droits de l'homme dans le domaine numérique. Et nous avons remarqué que cette année, votre coalition s'occupe avant tout d'efforts qui tendent à une gestion plus verte d'Internet. Je ne sais pas si nous comprenons tout ce que ça veut dire. Une explication, si vous pouviez me la fournir, s'il vous plaît. Est-ce que Santosh est avec nous sur Zoom? Oui. Mais je ne sais pas pourquoi nous ne l'entendons pas. Mais si on ne l'a pas avec nous sur Zoom, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait parler en son nom. Bonjour. Je n'étais pas préparé, mais merci de me donner la parole. Bien sûr, brièvement, je parlerai de ce dont nous occupons en matière de développement durable de l'environnement. Dans notre travail, nous référons toujours à la Charte des droits fondamentaux. L'un des articles de cette charte, l'article 4, dans le droit au développement, est lié avec un développement durable de l'environnement. C'est dans les dernières années, au cours de nos travaux, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était justement une question qui était vraiment brûlante et qui n'est pas encore présente dans le programme majeur du Forum de gestion d'Internet. C'est pour ça que nous avons mené à une situation où cette question est devenue objet de discussion pendant l'IGF 2018. C'est là qu'une première réunion a eu lieu qui concernait ces questions, concernait un développement durable de l'environnement. Et ensuite, nous sommes revenus à ces discussions pendant le sommet en 2019. À l'époque, il y a eu une grande session consacrée au changement climatique et à la gestion de l'Internet dans ce contexte de changement climatique. Et là, nous travaillons avec de nombreux partenaires, entre autres Eurodig en 2020 et cette année. Ensemble, nous avons participé à deux sessions concernant le développement durable de l'environnement. Et pendant l'édition de cette année, nous revenons aussi à ce sujet. Cet après-midi, nous allons parler des mécanismes d'intelligence artificielle, de l'environnement naturel et des droits de l'homme. Nous considérons que ce sont des questions d'importance essentielle dont il faut parler, surtout dans le contexte d'un grand intérêt par ces questions par les jeunes, par la jeune génération. Nous sommes heureux de voir que le sommet IGF aussi s'occupe de ces questions et elles font partie de son programme. Beaucoup de choses arrivent, beaucoup de choses se passent, pas seulement dans le cadre du sommet numérique de l'ONU, mais aussi localement. Donc nous travaillons avec l'agence UNEP, par exemple, et nous mettons beaucoup d'efforts entre les éditions suivantes de l'IGF. En ce qui concerne des exemples de gestion d'Internet qui sera un peu plus vert,
Il y a peu de temps, on a terminé une session intercessionnelle, pour ainsi dire, en coopération avec Rodrigue. Et ensemble, nous essayons de réfléchir sur la façon de faire pour que la gestion d'Internet soit plus amicale envers l'environnement. Nous voulons nous assurer que les nouvelles technologies sont durables aussi dans le contexte de la protection de l'environnement naturel. Merci beaucoup, c'était des informations neuves pour nous, nouvelles. Et nous sommes heureux d'entendre qu'il y a des efforts qui sont mis en place ensemble avec Eurodig. Donc voyons que les coalitions dynamiques coopèrent aussi avec des organisations nationales, qu'il y a de telles initiatives qui ont lieu aussi en dehors des rencontres dans le cadre du sommet IGF. Et en effet, il y aura de telles sessions cet après-midi et demain aussi, il me semble, qui concerneront le développement durable de l'environnement. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole à ce sujet encore? Y a-t-il une telle personne sur la plateforme Zoom, peut-être? C'est à toi que je pose cette question, Tatiana. Je ne vois personne qui lèverait la main pour parler. Mais s'il y avait des personnes qui sont volontaires, veuillez appuyer l'icône, la petite main. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci de m'avoir donné la parole. J'aimerais aborder un sujet. Il me semble que, avant de parler de la coopération numérique, nous devons d'abord définir la nature et en fait, qu'est-ce qu'est un bon Internet? Qu'est-ce que c'est qu'un bon espace numérique? Quel type d'Internet et de super-espace nous voulons former, sculpter nous-mêmes? Est-ce que nous voulons créer un Internet amical d'une manière qui est orientée exclusivement sur un développement continu? Ou est-ce que nous voulons créer un Internet qui sera amical pour l'environnement? Ou est-ce que nous voulons que l'Internet soit avant tout stable? Est-ce que nous voulons former un Internet qui sera un nouveau champ de bataille pour les cybercriminels? Il est bien de commencer par définir quel est l'Internet que nous voulons avoir avant de parler d'une coopération mondiale au niveau numérique. Car si nous voulons développer l'économie numérique, la communication numérique, le commerce numérique, nous devons réfléchir et se dire si c'est possible dans un environnement qui n'est pas stable, dans un environnement qu'on pourrait qualifier d'armé. Et il me semble que nous devons nous mettre d'accord sur le fait que ça doit être un espace sûr qui promeut la paix. Et il faut réfléchir quel sera là le rôle à jouer par l'ONU dans tout ça. J'espère que ce commentaire de ma part trouvera aussi un reflet dans les documents officiels du sommet IGF. J'aimerais aussi demander que cette question ou ma demande de définir les propriétés caractéristiques d'Internet que nous voulons former, j'aimerais que ça se trouve dans notre programme. Merci beaucoup. Bien sûr, la définition d'Internet que nous voulons former est objet du travail de coalition dynamique et nous y reviendrons dans la deuxième partie de notre session. Et maintenant, je passe la parole à Jennifer. Il me semble, si je ne me trompe, que Yasmine, elle est prête. Au sujet du travail de la coalition dynamique pour la responsabilité des plateformes. Merci beaucoup, Jennifer.
Maintenant, nous allons parler au sujet des nouvelles réglementations qui apparaissent, la nouvelle structure du marché, des contenus, des droits des consommateurs et de la protection des droits des consommateurs. C'est un domaine très vaste. Alors, il y a des coalitions thématiques qui s'occupent de ces questions. On m'a dit que Yasmine était prête sur Zoom. Donc, dans quelques instants, je vais lui passer la parole. La question de la modération des contenus est au centre des débats sur la réglementation de l'espace numérique. En particulier, pendant la pandémie du COVID-19, nous nous penchions beaucoup là-dessus. Nous sommes beaucoup penchés là-dessus. Alors, comment les coalitions dynamiques peuvent contribuer à ce que la modération des contenus numériques soit conforme aux droits de l'homme et inclusif. Yasmine, je te passe la parole. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis heureuse de représenter notre coalition dynamique. Nos travaux concernent des aspects divers de responsabilité des plateformes et aussi des questions de réglementation. Nous essayons de rapprocher les décideurs, les représentants du monde de la science et du secteur privé. Donc nous essayons d'agir en sorte à ce que ce soit un effort multilatéral. Nous formulons des recommandations concernant l'activité sur les plateformes numériques qui serait conforme au respect des droits de l'homme. Nous proposons de bonnes pratiques et de solutions efficaces. Et cette année aussi, pendant ce sommet IGF, nous allons vous faire part, probablement demain d'ailleurs, d'un nouveau glossaire qui contient les termes essentiels concernant les politiques qui sont mises en œuvre par rapport aux plateformes numériques. Nos efforts se concentrent avant tout sur la dissémination de nouveaux documents et politiques sur l'arène mondiale. Et nous voulons que ces meilleures pratiques soient des pratiques qui sont compatibles avec les droits de l'homme. Ça reste pour nous un sujet central depuis de longues années. Je m'excuse, je parle de manière un peu décousue, mais c'est parce que ici, on est trop tôt, il est très tôt. Je suis au Brésil, il est 6 heures du matin. En fait, c'est tout pour ma part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout à fait compréhensible. Merci pour votre apport. Vous avez fait votre part du travail. Merci, je remercie toutes les coalitions dynamiques pour leur engagement. Et merci de vous être connecté aussi tôt en direct du Brésil. Pour les personnes qui, pourront voir, qui participeront à la suite, vous verrez ce qu'il en est du glossaire. Nous allons passer à la coalition dynamique suivante qui s'occupe des droits de l'homme dans le milieu numérique. Je dois avouer que j'ai eu le plaisir de participer à la session de cette coalition organisée dans le cadre du forum de l'IGF hier. J'étais impressionné par ce dont s'occupe cette coalition dynamique. Je vois que la représentante de cette coalition est déjà sur Zoom. Donc ma question est la suivante. De quelle manière les travaux de la coalition dynamique qui s'occupe des droits de l'enfance dans le milieu numérique peuvent se faire l'écho des questions, des défis liés à la réglementation? Merci, mais bonjour et merci de me donner la parole. Je suis à Berlin, il n'est pas aussi tôt ici qu'au Brésil, mais je commencerai par la chose suivante. Notre coalition cette année a changé de nom. On s'appelait avant de la coalition dynamique aux affaires sécurité de l'enfance en ligne. Maintenant, nous sommes la coalition dynamique aux questions des droits de l'enfance dans le milieu numérique. Pourquoi ? Parce que dans notre travail, nous nous occupons des aspects concernant les droits de l'homme, concernant la confidentialité, la vie privée, la liberté d'expression, la liberté d'accès à l'information. Et nous voulons aussi comparer ces
ces aspects, enfin les mettre à la lumière des droits de l'enfant. L'ONU a reconnu que les enfants avaient besoin d'une protection particulière sur Internet. Leurs droits sont mis à mal et il faut les défendre. Les droits de l'enfant, c'est les droits de l'homme. Il faut protéger les droits de l'homme dans tous les recoins du monde. Il faut toujours le souligner. C'est un travail que nous faisons depuis une trentaine d'années. On peut dire que aujourd'hui, notre coalition dynamique coopère avec diverses agences, notamment avec la commission de l'ONU aux aspects droits de l'enfance. Et ensemble, nous créons de nouvelles normes concernant la manière dont il faudrait considérer les droits de l'enfance à défendre, ainsi que la participation à un milieu numérique. Nous essayons de répondre à la question de savoir de quelle manière on pourrait protéger les intérêts de l'enfance pour ce qui est de la création de nouvelles politiques et de la gouvernance Internet. Il faut absolument pondérer certains droits, notamment la liberté d'expression et les droits de l'enfance, ainsi que le droit à la vie privée, le droit d'expression, c'est encore un autre aspect. Les usagers d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a la question du droit à la protection. Le droit à la protection des usagers d'Internet, dont bien évidemment les enfants. Ces derniers temps, un des membres de notre coalition dynamique a mené des recherches qui ont montré que presque 70% des sondés qui avaient participé au sondage confirmaient vouloir placer la priorité sur les droits des enfants et non pas les droits, les libertés individuelles. Après, nous, on ne pense pas forcément qu'il doive y avoir un hiatus entre les deux. La pondération est possible. C'est notre approche. Hier a été organisée une session au sein de notre coalition dynamique, lors de laquelle nous nous sommes penchés sur les questions concernant des cadres juridiques harmonisés qui devraient être créés dans l'intérêt des enfants. Nous avons pris en considération notamment l'article numéro 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfance, ainsi que l'article 24 de la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne. Nous soulignons ici que les droits de l'enfance et les intérêts de l'enfant doivent toujours être notre ligne de mire lors de nos activités. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole et c'est avec un grand intérêt que j'écouterai la synthèse des travaux des autres coalitions dynamiques. En effet, toutes les coalitions dynamiques apportent beaucoup aux travaux visant à souligner les droits de l'enfance les plus importants sur Internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces apports sur les travaux de votre coalition dynamique concentrée sur les droits de l'enfance. Nous voyons que vous coopérez non seulement au sein de la coalition elle-même, mais on voit aussi que les différentes coalitions dynamiques travaillent dans la multilatéralité, coopérant avec diverses parties prenantes, avec diverses entités, non seulement, entre autres pour protéger l'enfance. Tatiana, ma co-modératrice, va nous parler maintenant du segment numéro 4 qui lui concerne le soutien à la coopération numérique. Merci beaucoup. Avant de passer à ce sujet, effectivement, je voudrais souligner deux choses, à savoir, premièrement, que pour ce qui est de la coalition dynamique s'occupant de l'inégalité des droits entre les sexes, je voudrais souligner que connectivité est très importante, mais les aspects égalité des sexes doivent être pris en considération dans chaque segment, chaque domaine de la coopération numérique. Je voudrais maintenant poser une question à la représentante de cette coalition. La question est la suivante. De quelle manière devrions-nous commenter les liens existants entre les inégalités numériques et les inégalités socio-économiques dans le contexte de la crise mondiale, de la crise sanitaire mondiale? Que peuvent faire les coalitions dynamiques afin de faire en sorte que le principe d'égalité soit réalisé et respecté? Merci beaucoup.
Merci de me donner la parole. Pour ce qui est de notre coalition dynamique aux affaires égalité de droit entre les sexes, égalité des sexes, nous sommes... C'est l'égalité de droit entre les sexes. Donc c'est ce qu'on veut prendre en considération dans le cadre des politiques concernant la zone numérique. Nous considérons que c'est un aspect particulièrement important pour ce qui est du milieu numérique qui a beaucoup changé lors de la pandémie de coronavirus. Nous remarquons dans notre travail que nous devons accorder une priorité notamment aux droits des femmes et des droits de tous ceux et celles qui sont marginalisés pour telle ou autre raison. Les droits doivent être les mêmes pour tous et la sécurité de tous doit être assurée. Chacun et chacune doit pouvoir se sentir en sécurité sur Internet. Nous voyons aujourd'hui que sous bien des aspects, la position des femmes est moins bonne que celle des hommes. Donc il nous faut en fait essayer de faire en sorte de promouvoir leurs droits, notamment pour ce qui est de l'accès à l'alimentation, aux services de santé, aux services de base, à l'éducation. Souvenons-nous que ne perdons pas de vue l'importance du sujet. L'accès à certains biens peut être parfois fortement limité pour les femmes. Il est important de prendre cela en considération, de prendre en considération les disparités qui existent entre les sexes sur divers domaines, au niveau social, au niveau économique, et de continuer à discuter sur le sujet de manière à pouvoir créer une politique et un espace numérique qui pourra, de manière juste, traiter ces aspects. Il faut que l'approche soit multisecteur, multilatérale. C'est extrêmement important pour pouvoir prendre à bras le corps ce sujet. Les questions liées à l'accès, les questions juridiques sont particulièrement importantes. Il faut bien sûr pondérer les choses, pondérer l'aspect vie privée, l'aspect confidentialité, l'aspect liberté. Toujours la pondération entre liberté et sécurité. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à... aux participants suivants, au sujet suivant, pour ce qui est de la promotion de la coopération numérique. Je voudrais ici demander à la représentante de la coalition dynamique aux affaires de la jeunesse, Aileen, vous êtes représentante. Vous étiez censée être en ligne, mais je me demande si on n'a pas un problème technique. Mais on a un représentant de la coalition dynamique qui est avec nous ici à Katowice. Donc peut-être pourrez-vous répondre à la question suivante. Nous avons conclu des documents que nous avons lus qu'en 2021, votre coalition dynamique avait réalisé de nombreuses mesures liées à l'inclusivité d'Internet et à la coopération numérique. Je voudrais vous demander maintenant quel est le lieu, la place de la coopération numérique pour les jeunes. De quelle manière les jeunes peuvent agir pour l'inclusivité. Merci, mais je suis bien connecté. Je suis bel et bien connecté, donc je vais pouvoir prendre la parole moi-même en mon nom propre et au nom de notre coalition dynamique. Je vous remercie de m'en donner la possibilité de nous avoir invités. Notre coalition se concentre sur la promotion de la coopération numérique. Nous participons à des débats concernant la création de politiques numériques. Nous avons organisé, entre autres, deux webinaires. L'un d'entre eux était consacré au développement durable environnemental et au changement climatique. Le deuxième webinaire, lui, concernait la coopération sur la coopération autour de l'inclusivité d'Internet et la création d'un écosystème large de coopération numérique dans le respect des valeurs de base qui sont sous-jacentes à Internet. Nous faisons de notre mieux pour que Internet soit le plus inclusif possible. Et en même temps, il faut que sur Internet, on respecte les droits numériques et que toutes les parties prenantes, dont les jeunes, puissent participer au développement d'Internet comme espace où les droits de l'homme seraient respectés. En même temps, nous avons lancé une coopération dans le cadre de l'IGF avec le Forum des jeunes à Katowice. Ce sommet voit se réunir des groupes de travail des jeunes
et nous avons discuté de sujets essentiels. Des recommandations en ont été tirées pour les représentants de la jeunesse. Nous avons mentionné la création donc, d'un écosystème plus vaste, d'une coopération numérique. Et puis, nous avons parlé d'une chose, c'est qu'il est important de faire en sorte que les liens soient encore plus étroits entre les activités de l'IGF et les activités liées et promues par les jeunes. Nous allons publier dans quelques semaines un rapport final sur nos activités. Nous vous invitons à prendre connaissance de son contenu et à prendre contact avec notre coalition dynamique et notre groupe de travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aileen. J'invite tout le monde à prendre connaissance du contenu de votre rapport. Vous avez mentionné également la coalition dynamique aux affaires concernant les valeurs primordiales, les valeurs fondamentales d'Internet. Et nous avons justement avec nous quelqu'un qui représente la coalition dynamique qui se penche sur ces sujets. J'espère que je pourrai lui poser la question, à elle aussi. La question concernera la souveraineté de la dimension souveraineté de la dimension numérique. Vous avez reconnu qu'il y avait un peu un hiatus ou une crevasse, un gouffre entre la conception générale et la pratique pour ce qui est de la souveraineté, de l'indépendance d'Internet. De quelle manière votre coalition dynamique peut faire sa part du travail de manière à ce que ce gouffre soit comblé? Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Effectivement, c'est la question la plus difficile de toutes celles qui ont été posées lors de cette session. Notre coalition dynamique, comme nous l'avons déjà entendu, s'occupe des questions relatives à Internet et les valeurs de base sur lesquelles base le fonctionnement de l'Internet. Nous nous référons à des spécifications techniques, par exemple. Et souvenons-nous que ces spécialisations techniques sont souvent très importantes, car souvenons-nous que nous parlons d'un réseau composé de réseaux différents. En ce qui concerne une telle structure, nous ne pouvons pas parler d'un contrôle ou de gestion centrale. Nous avons une infrastructure qui est complètement dissipée et elle est gérée par les différents utilisateurs finaux. D'où l'importance de la souveraineté, de l'indépendance numérique. Très souvent, il semble aux utilisateurs ou les acteurs nationaux qu'ils ont un contrôle du réseau, mais souvenons-nous que ce réseau est composé de beaucoup de strates, beaucoup de niveaux. Il est donc très difficile de le contrôler. En ce qui concerne notre coalition dynamique, nous soulignons que la souveraineté devrait être l'une des valeurs de base qui concerne le fonctionnement d'Internet. De plus, nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons rien contrôler sinon les contenus que nous créons nous-mêmes. C'est un domaine très compliqué. Je pense que ce terme de souveraineté numérique, c'est un slogan un peu trop hautain. Mais ça se résume à une recommandation comme quoi si nous créons de nouvelles réglementations qui sont créées localement, toutes ces réglementations devraient prendre en compte les valeurs de base qui gèrent Internet, de manière à ce que son activité soit équilibrée, à ne pas étouffer son fonctionnement et à ne pas fragmenter excessivement Internet, pour que nous ne divisions pas en petits réseaux qui ne sont pas en mesure de coopérer. Il s'agit aussi de ne pas mettre trop de filtres qui vont rendre impossible le fonctionnement de certains aspects d'Internet. Chacun devrait pouvoir utiliser Internet de manière efficace et utiliser au maximum le potentiel de cette technologie. Merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez parlé de fragmentation. C'est une remarque très pertinente parce que nous passons à la partie suivante de notre session qui concernera la manière dont on peut réunir certains éléments, les unifier de ces éléments qui sont dispersés, comment entreprendre des efforts
cohérent dans le cadre notamment de nos coalitions dynamiques. Je passerai la parole à Jennifer et c'est elle qui va décider à qui passer la parole ensuite. Merci beaucoup, Tatiana. Je pense qu'il serait une bonne idée de passer la parole aux représentants des hubs des centres du Bangladesh. Ils ont demandé la parole avant. Est-ce que vous nous entendez? On n'entend pas très bien. Veuillez répéter, monsieur. Peut-être que vous arriverez à vous rapprocher un peu plus du micro. Jennifer, est-ce que vous entendez mieux cette énoncé? Malheureusement, il semblerait que la qualité du son n'est pas suffisamment bonne pour faire intervenir le représentant du hub de Bangladesh. Dans ce cas, passons au point suivant du programme. Nous commençons donc la deuxième partie de cette session. Je remercie aux intervenants qui se sont exprimés au sujet des travaux menés par les différentes coalitions dynamiques. J'aimerais maintenant que nous regardions la manière dont les coalitions dynamiques renforcent le forum de gestion d'Internet. Comment pouvons-nous développer la coopération numérique dans le futur? Et ici, avec moi, à Katowice, nous avons Wai Min Kwok, qui est représentant du département pour les questions sociales et économiques de l'ONU. Nous avons ici aussi Jennifer Chung, le représentant du bureau du reste de l'envoyé du secrétaire général pour les technologies, M. Jason Mannion. J'aimerais donc maintenant passer la parole à Marcus, qu'il n'y a pas besoin de présenter, n'est-ce pas? Marcus, je vous en prie. Merci, Jennifer. En effet, ensemble avec Utah et avec d'autres collègues, j'ai eu le plaisir de me pencher sur la question de la coordination des travaux menés par les différentes coalitions dynamiques. Nous avons aussi publié un rapport concernant le mode opératoire des coalitions dynamiques. Nous avons réfléchi sur le travail futur des coalitions pourrait contribuer au développement du sommet IGF. Aussi à la lumière de nouvelles propositions présentées par le secrétaire général et dans le cadre de l'entente globale, de l'entente numérique globale, mondiale, pardon. Je n'ai pas toutes les réponses maintenant aux questions qui ont été posées ici. Par contre, le rapport qui sera publié comprendra toutes ces questions. Il sera donc question des meilleures pratiques, de la coopération des coalitions dynamiques, de la manière d'intégrer au mieux les travaux des coalitions. Donc il y aura énormément d'informations dans ce rapport. Je vous encourage chaleureusement à en prendre connaissance. Nous avons une version pleine et une version abrégée. La version longue peut vous décourager un peu parce que c'est environ 50 pages et la version abrégée ne dépassera personne, hein, pour ainsi dire. Et je vous encourage vraiment à prendre connaissance. Merci Jennifer et merci Tatiana. Merci beaucoup Marcus. Je pense que Tatiana sera en mesure de nous coller un lien vers ce document sur Zoom et j'encourage tout le monde à prendre connaissance du document. En effet, si vous n'aurez pas le temps de le lire en entier,
veuillez prendre connaissance de la version abrégée. Marcus a mis énormément d'efforts pour créer ce document. Et maintenant, j'aimerais passer à la question suivante pour mes collègues ici à Katowice. Première question pour Emin Kwok. De votre point de vue, comment est-ce que les coalitions dynamiques peuvent renforcer la coopération numérique? Quel peut être leur rôle dans le cadre du forum de gestion d'Internet? Merci beaucoup de cette question. Bonjour à vous, Jennifer, ainsi que Tatiana et Marcus. C'est avec plaisir que je participe à cette session. Ces discussions m'inspirent, ces discussions sur les travaux des différentes coalitions dynamiques. J'ai beaucoup appris et je suis très impressionné par tout ce que vous faites. Et pour répondre maintenant à votre question, brièvement, j'essaierai de me référer au rapport du secrétaire général au sujet de notre programme commun, Our Common Agenda. Et j'aimerais me référer ici à cette partie qui parle du forum de gestion d'Internet, qui a des ambitions qui a l'ambition de promouvoir l'innovation et les réformes dans l'espace numérique. Il me semble que, à présent, de nombreuses coalitions dynamiques s'occupent de la crise courante, mais je vous demanderai de ne pas perdre de vue les autres crises qui nous touchent. Je pense ici à des crises telles que le manque d'eau, pénurie de nourriture, mais aussi la cybersécurité. Je n'aimerais pas être trop négatif ici. Pour dire quelque chose de plus positif, j'aimerais dire que toutes les coalitions dynamiques font énormément de choses, de bonnes choses, pour obtenir les objectifs de développement durable. Je pense que le travail des coalitions dynamiques est en effet très convergent. Avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Non, en ce qui concerne les innovations, j'aimerais dire très rapidement que je pense que nous devrions toujours et encore mieux coordonner nos actions. Nous parlons ici de relier des points numériques. Nous aimerions que les agences dynamiques coopèrent non seulement avec les agences des Nations Unies, mais aussi avec d'autres organes intergouvernementaux. UNDESA, par exemple, beaucoup de choses se passent en coopération avec des agences gouvernementales aussi. En ce qui concerne la réforme, j'aimerais dire chose qui a été dite par Marcus, ça vaut la peine d'y travailler à ce que nos coalitions soient mieux reconnues, reconnaissables. Nous savons que ces coalitions dynamiques collectent des données, qu'elles arrivent à des conclusions, mais peut-être que la coopération devrait être plus proche avec l'UNDESA pour pouvoir mieux promouvoir le travail de ces coalitions, que nous sachions de ce qui se passe. Merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais m'adresser à Jason. Nous savons que le bureau de l'envoyé spécial pour les technologies, l'envoyé du secrétaire général, est aussi impliqué dans ce qui se passe dans le domaine de nouvelles technologies. J'aimerais vous demander votre point de vue, votre perspective au sujet du travail des coalitions dynamiques, de quelle manière leurs travaux peuvent contribuer
au développement du forum de gestion d'Internet. Merci beaucoup. Je dois dire que ma grand-mère est issue de la Silésie, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Katowice. Et je vous remercie à tous, je vous remercie tous ceux qui nous rejoignent par Internet des différentes partie du monde, là où il fait très tôt, c'est fantastique de pouvoir vous rencontrer, même sur Zoom. Évidemment, je suis heureux aussi d'avoir la possibilité de nous rencontrer ici en vrai, en réel. Je remercie les représentants des coalitions dynamiques. Je sais que vous mettez beaucoup d'efforts dans les travaux que vous réalisez. Et ça serait à titre d'introduction. C'est vraiment un travail qui est entrepris de manière bénévole. Donc, je vous remercie, nous vous remercions tous pour tous vos efforts. Et maintenant, pour en revenir à la question de Jennifer, j'aimerais dire qu'en réalité, les questions numériques deviennent de plus en plus un point de plus en plus important des programmes de tous les États membres de l'ONU. L'année passée, lorsque nous avons fêté le 75e anniversaire de l'existence de l'ONU, il y a eu un débat aussi à ce sujet sur la coopération numérique. Et pendant l'Assemblée générale, nous avons parlé aussi au sujet de la coopération numérique. Plus de 30 pays membres, car le représentant était présent, se sont penchés sur le débat concernant les questions relatives à la confiance et la sécurité dans le réseau, sur la désinformation, sur le respect des droits de l'homme dans l'espace numérique. Donc les travaux de coalition dynamique contribuent très certainement à une discussion plus fructueuse. Mais je pense que nous devons tous réfléchir, savoir comment arriver aux bonnes personnes avec ces conclusions, informations. Nous voulons être en mesure d'arriver à des personnes qui ont le pouvoir de décision, qui sont responsables de l'utilisation de nouvelles technologies, et nous aimerions que l'on puisse très rapidement disséminer les résultats des travaux des coalitions dynamiques. Il semblerait donc que nous devrions, de manière très régulière, envoyer des mises à jour des rapports. Nous aimerions à ce que à notre bureau soient envoyés des rapports à jour, que nous puissions ce qui se passe en temps réel et que nous puissions disséminer les résultats des travaux des coalitions dans le cadre des agences de l'ONU, mais aussi dans le cadre de nos travaux avec les partenaires extérieurs. Nous voudrions, lors des réunions de notre bureau, pouvoir, de manière régulière, consulter vos documents. Et je pense que nous serons en mesure d'apporter notre soutien. Comme vous le savez, il y a dans notre bureau des collègues qui s'occupent principalement des droits de l'homme, d'autres qui s'occupent de connectivité mondiale, d'inclusivité. Et donc ce sont des rapports qui sont mis à jour régulièrement, et ce serait très utile pour nous. Nous pourrions être une source de soutien. Il faut que ce soit des rapports concis, une page, deux pages, maximum. Il faut que ce soit des rapports qui se pencheront sur des divers sujets, donc, mais qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les sujets. Il faut que ce soit lisible facilement, que ce soit intelligible, simple, concis, pour qu'on puisse partager le contenu de ces documents avec des collègues d'autres agences, de manière à ce que l'on puisse aussi, lors du prochain sommet, discuter de l'initiative du Global Digital Compact, donc la
l'accord mondial numérique, l'accord numérique mondial, et lors des négociations à venir, ça nous permettra, des discussions à venir, ça nous permettra de ne pas partir de zéro, mais de construire sur la base de ce qui aurait été fait jusque-là en matière de respect des droits de l'homme sur dans le domaine numérique. Ça nous permettra d'aller vers plus de cohérence plus rapidement, pour protéger la jeunesse aussi. Et je pense qu'il est important que nous puissions entendre les voix de la jeunesse, justement, puisqu'il en est question. En effet, nous voudrions que ces consultations soient multilatérales. Nous voulons que ces consultations soient globales. Et nous voulons, lors de ces consultations, partager les meilleures pratiques et donc faire en sorte que les enfants, de toutes les voix de toutes les parties prenantes soient entendues. Merci beaucoup. Nous sommes tous impressionnés par le travail qui a été réalisé. Réalisé par l'envoyé sur les hautes technologies. Je crois que c'est vraiment partout. Hein. C'est impressionnant parce qu'on a parlé de l'accord numérique mondial. Beaucoup de choses ont été faites en la matière au niveau des coalitions dynamiques. Et c'est avec plaisir que nous transmettrons votre résumé de notre activité. J'espère que ces résumés, ces synthèses, atteindront des récipiendaires au-delà des Nations Unies. Et je pense qu'il est important de montrer les fruits de notre travail au monde extérieur également. Je vais maintenant demander à Titi, qui est connectée sur Zoom, de bien vouloir prendre la parole elle aussi. Elle représente le groupe, le MAG. C'est un groupe de conseil multilatéral. Pourriez-vous parler de ce que, selon vous, font les coalitions dynamiques afin de renforcer la coopération numérique? Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour moi et c'est un grand honneur aussi d'être ici avec vous aujourd'hui. La coopération numérique est particulièrement importante. Les coalitions numériques peuvent permettre de resserrer les liens. C'est un sujet dont discute le MAG. Souvent et en profondeur, dans le cadre notamment de notre coalition dynamique de gouvernance stratégique d'Internet. Nous avons préparé quelques documents sur le sujet. Nous considérons que ces recommandations sont particulièrement importantes. Il faut souligner la valeur, le caractère précieux de la coopération numérique. Les réseaux sont vastes et chacun d'entre nous se concentre sur un segment du sujet, un aspect du sujet. Nous participons au sommet d'IGF, mais nous sommes également actifs en dehors par-delà les différentes sessions. On pourrait dire que c'est un modèle assez vaste, assez large. Mais il y a aussi évidemment des questions il y a des zones d'amélioration et des choses que l'on pourrait perfectionner, comme par exemple la visibilité, parce que les coalitions dynamiques évidemment font beaucoup, mais devraient être, je pense, mettre en avant, mettre en exergue les résultats de leur travail. Il faudrait faire en sorte que de donner un certain écho à notre travail en utilisant divers réseaux, dont la NRI qui est un excellent outil, un formidable outil grâce auquel nous pourrions informer les opinions publiques de ce qui se passe dans le cadre des coalitions dynamiques. De cette manière, les travaux des coalitions dynamiques pourraient avoir un plus grand impact pour ce qui est, par exemple, des outils juridiques créés, des cadres juridiques mis au point. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif, de tout à fait souhaitable. Les travaux des coalitions dynamiques pourraient nous amener à sculpter, à mettre au point des programmes régionaux d'activités, de politiques visant à promouvoir, par exemple, les valeurs qui sont au cœur du sommet IGF. Je pense que les coalitions dynamiques ont un potentiel immense
et peuvent apporter une grande valeur à la formation de notre communauté. Merci. Merci d'avoir souligné ces aspects effectivement essentiels. Les questions, effectivement, la question de la visibilité est absolument est particulièrement importante et on ne le dira jamais assez. Je vous incite maintenant, je vous invite à tenter de répondre à la question suivante. Mais avant tout, avant de passer au détail, je voudrais donner la parole à ma co-modératrice Tatiana. Merci. Je vous propose maintenant répondre à cette question. C'est aux représentants des diverses coalitions dynamiques que je le propose. L'idée étant, vous avez entendu la réponse de Jason, par exemple. Moi, en l'écoutant, une question m'est venue à l'esprit. La question étant la suivante. Vous laisseriez-vous tenter, si je vous demandais de définir un des défis principaux s'opposant sur la route des coalitions dynamiques, notamment pour ce qui est de leur rôle dans la préparation des sommets à venir, des sommets de l'IGF à venir. Donc, quels peuvent être les défis? Parce qu'il me semble que Jason a parlé déjà un peu de défis. Donc, on pourrait commencer par lui, bien sûr. Mais si dans la salle, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter quelque chose, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Marc, je vois que vous avez envie de prendre la parole, mais on va commencer par Jason. D'accord. Le défi principal pour moi aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir un meilleur accès aux résultats de votre travail. Dans le cadre de l'ONU, par exemple, on a un groupe de travail qui s'occupe de la liberté d'expression, des réseaux sociaux. Et ce groupe présente justement une synthèse des résultats de ses travaux, parce que bien entendu, on ne peut pas regarder avec précision tous les points sur lesquels travaillent les groupes de travail. Donc, nous voudrions recevoir vraiment un condensé, une synthèse de ces aspects, des aspects sur lesquels se penchent les diverses coalitions, les différentes coalitions dynamiques. Il a été dit que, par exemple, une coalition s'occupait de travailler à créer un glossaire. Je pense que c'est très important. C'est justement, oui, ça, c'est un sujet intéressant. Je ne vais pas prolonger, mais c'est à ça que je voulais faire référence. Pour ce qui est de ces défis, je pense que ce qui est difficile parfois, c'est de définir avec précision les sujets de base sur lesquels travaille une coalition dynamique. Et ce type de synthèse serait particulièrement bienvenu. C'est aussi, entre autres, pour les représentants des États membres. C'est vraiment le type de résumé. Ce serait bien d'avoir ce genre de choses, de lire ça rapidement et puis de pouvoir se référer aux résultats. Avant que je ne donne la parole à la personne suivante, je voudrais aussi dire que nous avons reçu une question concernant notre plateforme au Bangladesh, une question qui a été donnée, qui a été posée sur la messagerie en direct. Mais avant d'y répondre, je vais donner la parole à Marc qui la demande. Oui, merci Tatiana. Bien, bonjour à tous. Quel que soit le fuseau horaire d'où vous vous êtes connecté. En guise d'introduction, je voudrais dire que je suis conseiller sur les sujets politiques dans le cadre d'une coalition de création assez récente, laquelle s'occupe de normes de sécurité sur Internet. Nous avons lancé nos travaux il y a environ un an et l'inauguration de nos activités a eu lieu lors de la dernière édition de l'IGF. J'ai effectivement placé sur la messagerie en direct une information concernant notre activité, notre travail, un peu comme mon collègue qui est un de nos principaux experts dans la coalition. Pour ce qui est de ce défi, je pense qu'il est bon de souligner le fait que on se concentre sur les résultats concrets des discussions. Et c'est le défi dont je voudrais parler. Chevauche, se fait l'écho de certains aspects que vous avez déjà mentionnés. Le problème, c'est qu'on voudrait, on veut pas que les résultats de nos travaux se retrouvent prêts à prendre la poussière dans un
un grenier ou dans les tiroirs. Le but, c'est de les rendre, de leur donner une certaine visibilité, une certaine résonance. Il faut que les politiques les entendent, il faut que les politiques, les décideurs, et pas seulement les politiques, les gens qui sont aux commandes d'une manière générale, connaissent le contenu de nos conclusions. Ce serait tout à fait souhaitable et tout à fait profitable à l'ensemble de la société. Le sommet de l'IGF a lieu une fois par an et nous travaillons, mais nous travaillons aussi entre les différentes sessions. Le secrétaire général réfléchit maintenant, je crois, enfin pense, réfléchit à, envisage d'introduire un programme qui s'appellerait IGF+, et qui viserait à plus coordonner les différentes, les travaux entre les éditions. Nous avons vraiment besoin de bons canaux de communication. Le défi principal, c'est ça, c'est d'essayer de présenter les travaux de nos, les résultats de nos travaux à un public plus large. Mais ce qui serait important aussi, ce serait le défi important, c'est le financement, parce que quand on mène des recherches, quand on organise des analyses, on a besoin, c'est du travail et tout travail mérite salaire. Donc on a vraiment un problème, on a cet obstacle qui est celui du financement. Parce qu'il faut parfois payer des experts qui travaillent pour nous. Donc vraiment, le financement, c'est le deuxième défi principal que je citerai. Souvenez-vous d'une chose, c'est que nous coopérons avec des experts qui nous aident parfois en bénévole, certes, mais si on était bien équipé, si on était mieux financé, on pourrait passer à une échelle supérieure pour ce qui est de la coopération avec des experts. Et grâce à cela, nos résultats n'en seraient que plus crédibles, ce qui ferait que les gens qui sont aux commandes, les gens qui prennent les décisions, nous prendraient plus au sérieux. Lors d'une de nos sessions demain, nous y reviendrons d'ailleurs, il y a une session principale de notre groupe, et puis vendredi, il va y avoir une session de réseautage lors de laquelle nous voudrions prendre contact, enrichir notre carnet d'adresses. Ça pourrait nous aider aussi à prendre à bras le corps certains défis. Notre mission est importante parce qu'il est important d'assurer la sécurité des usagers individuels sur Internet, la sécurité des PME, la sécurité des agents innovants. Donc c'est particulièrement important. La sécurité est à la base de tout, c'est la première des libertés. Donc il faut vraiment créer une infrastructure de sécurité. C'est ce que dit d'ailleurs l'ODD numéro 9, qui parle de créer une infrastructure résiliente qui va améliorer l'accès aux techniques et créer une approche entrepreneuriale qui est clé pour ce qui est du développement durable et du programme 2030. C'est lié au programme 2030 et donc au programme d'activité pour une coopération numérique. C'est ce dont a parlé Jason d'ailleurs. Merci. Et puis excusez-moi d'avoir un peu dépassé le temps imparti. Merci beaucoup Olivia. Je vois que tu veux prendre la parole. Je l'ai bien vu. Donc, je sais qu'il y a des personnes ici dans la salle qui voudraient aussi prendre la parole. Donc je donnerai la parole à Jennifer dans quelques instants, mais j'aimerais lire cette question qui nous vient de Bangladesh, qui contribuera, je pense, à notre discussion. C'est quelque chose sur quoi nous devrions tous réfléchir. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant en période très difficile. Comment faire donc pendant cette période très difficile pour assurer une connectivité sûre, inclusive, parce que nous fonctionnons en condition de crise. Y a-t-il des plans, des recommandations en cette matière que nous pourrions faire pendant cette session? Évidemment, nous avons déjà partiellement répondu à ces questions, mais peut-être que nous pourrions présenter une réponse plus exhaustive ou plus complexe. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Ah si, on a une collègue ici qui représente la coalition dynamique pour les indicateurs d'accès. Je voudrais prendre la parole. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Merci. J'aimerais féliciter toutes les coalitions dynamiques. Je pense qu'il y en a plus de 20 de ces coalitions. C'est pour la première fois que je peux prendre la parole ici au nom non seulement de l'UNESCO, mais aussi au nom de la coalition dynamique, en particulier de celle
qui concerne les indicateurs d'accès. L'accès universel. Grâce à Arianta et notre collègue, nous avons réussi à démarrer nos premières initiatives qui sont l'expression d'une approche multilatérale moderne. Nous coopérons donc avec des gouvernements, avec les ministres, à les représentants du monde académique, du secteur privé, avec la société des acteurs techniques. Ils essayent tous de nous aider. Donc je vois que ces coalitions ont beaucoup à faire. Elles peuvent élaborer des résultats, des recommandations très concrètes au niveau très pratique. Il ne s'agit pas seulement de se rencontrer et de parler sur des choses qui vont pas avoir, qui ne se traduiront pas en résultats pratiques. Il s'agit plutôt de travailler et de traduire ces mots en actions concrètes. Et ceci peut être un défi pour l'ONU. Nous avons entre nous les représentants, entre autres, de l'UNDESA et d'autres entités. Nous allons maintenant réaliser notre entente mondiale, numérique mondiale. Et nous devons veiller à ce que nos actions aient une dimension pratique. L'un des défis que j'aimerais mentionner ici, c'est le financement. On a déjà entendu parler. Le financement concerne les pays en voie de développement, mais évidemment, en plus du financement, nous avons aussi besoin de technologies, de potentiel, de formation, de méthodologie aussi concernant la mesure et la quantification de questions complexes liées aux politiques créées. Donc ça peut contribuer aussi, ça peut être, les coalitions peuvent aussi contribuer à tout ça. Comme j'ai très peu de temps, j'aimerais me référer à cette question concernant le perfectionnement et les enjeux, les défis qui se posent devant nos coalitions. Souvenons-nous, en avons une vingtaine. Et chaque coalition s'occupe d'un domaine un peu différent. Mais il y en a qui s'entrecoupent. Et ça permet de faire travailler les membres de différents groupes. Donc je pense que nous devrions créer un forum ouvert pour les représentants de ces plus de 20 coalitions. Et sur ce forum, ces représentants devraient avoir la possibilité d'échanger leurs expériences et conclusions qui découlent de leurs travaux. Ça, c'est un des défis que je déteste, que je vois, que j'identifie. Nous devons sûrement pas rester fermés au sein de nos groupes de travail. Il faut partager ce que nous faisons. Et je m'adresse évidemment ici aussi à mes collègues qui viennent d'autres coalitions dynamiques. J'espère que nous arriverons à créer des recommandations qui diront comment il faut agir pour que nous ayons une influence réelle sur ce qui se passe autour de nous. Merci beaucoup. La coalition dynamique pour les indicateurs d'accès universel a aussi effectué un travail très intense en coopération avec le NRI, ce dont je remercie beaucoup. Maintenant, la voie suivante sera la voie du représentant de la coalition dynamique sur sur le développement durable, du journalisme et des médias. Je vous remercie beaucoup. Excellente remarque que j'ai entendue ici. Nous aimerions souligner ici la question de la gestion et de développement durable. Aussi, la gestion durable des ressources accessibles. Nous représentons les journalistes du monde entier. Et souvenons-nous que les journalistes veulent avant tout effectuer, faire leur travail. Ils ne sont pas en mesure de s'engager dans les travaux du forum de gestion d'Internet. C'est pourquoi la coalition dynamique, notre coalition dynamique, voudrait éclairer
la voix de la communauté de journalistes, de la communauté mondiale. Mais nous ne pouvons pas faire entendre la voix de chacun. Ici, les coalitions dynamiques, je pense, ont un rôle important à jouer. Ce qui est important, c'est que nous coopérions, par exemple, avec la coalition pour la confiance. Demain, il va y avoir une session qui va concerner l'honnêteté et la confiance dans le monde des médias. Je pense que nous devrions parler ensemble sur la manière de modérer, par exemple, les contenus numériques et des contenus en ligne. Comment créer des algorithmes, comment faire grandir la confiance aux médias et aux journalistes. Nous voulons nous occuper des questions telles que l'égalité des sexes, comme accès égal aux droits numériques, comment lutter la désinformation. Cette année, nous allons nous occuper essentiellement de la désinformation dans le réseau. Donc, j'aimerais vous inviter à vous impliquer, de vous engager dans nos travaux. Nous parlerons aussi de la manière dont la pandémie a impacté notre travail, comment le secteur des médias a été touché par les conséquences de la pandémie. En même temps, quelles étaient les conséquences technologiques de cette crise? C'est de cela que nous allons nous occuper dans notre coalition dynamique. Je vois qu'il y a encore quelqu'un ici sur place qui voudrait prendre la parole. Malheureusement, nous avons vraiment très peu de temps. Donc, je vous prie de faire des remarques concises et vous présenter présentez-vous. Ah ben, je viens du Niger, je m'appelle Babagana. Et je suis le représentant du forum de gestion d'Internet dans le cadre du ministère de l'économie numérique au Nigeria. Moi, j'aimerais demander de quoi s'occupe la coalition dynamique en Afrique, concrètement au Nigeria. Est-ce que la coalition dynamique entre dans des partenariats avec des organisations de caractère national ou régional, et en particulier avec le NRI? Au Niger, nous avons un forum de gestion d'Internet national qui s'appelle le Forum nigérien de gestion d'Internet. Alors, j'aimerais demander comment pouvons-nous entreprendre une coopération avec les coalitions dynamiques. Merci beaucoup pour cette question. Nous avons déjà entendu de la part de nombreux représentants de ces coalitions qu'ils travaillent avec l'NRI. Et je pense que cette coopération avec nos collègues au Nigeria est possible. Alors maintenant, j'aimerais passer rapidement à Henriette Esterhuizen, parce que nous voudrions qu'elle nous parle de la coopération multipartite du point de vue de son groupe de conseil. Je m'excuse de vous avoir rejoint avec du retard. Je veux dire la chose suivante. Là, les coalitions dynamiques effectuent un travail incroyable. Je suis moi-même auteur de la préface pour les rapports annuels des coalitions dynamiques, ce qui veut dire que moi, j'ai dû personnellement lire tous ces rapports. Je suis vraiment très impressionné. Je pense que les coalitions dynamiques et leur effort devraient être disséminés, que le travail de ces coalitions devrait être mieux reconnu est reconnaissable. Malheureusement, ces coalitions n'ont pas de ressources telles que le secrétariat d'IGF. Donc, ça vaut la peine de bâtir des ressources et de capacité pour que ces coalitions soient mieux reconnaissables. À présent, le secrétariat IGF soutient les coalitions dynamiques. Mais le soutien est nécessaire car les conclusions des travaux des coalitions dynamiques sont vraiment très importantes
Et il semblerait qu'il y a, que ça doit être des questions qui sont discutées pendant des forums multilatéraux, là où participent les représentants des agences de l'ONU, des gouvernements et d'organismes. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre point de vue. Du côté du conseil en fait. Alors quelqu'un d'autre voulait prendre la parole sur Zoom? Oui, je m'excuse parce que comme notre temps se termine, je pense qu'il est important de passer encore la parole à deux personnes qui ont attendu patiemment le micro. Ce sont vraiment des résumés, des synthèses. Et ensuite, nous terminons. Oui, merci. Il est difficile de dire en fait quelque chose de nouveau après Henriette. J'aimerais être d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pense que c'est vraiment très important d'utiliser le potentiel des rapports des coalitions dynamiques. Souvenons-nous que les bénévoles effectuent leur travail sans rémunération, mais ils travaillent pour des questions qui sont très proches de leur cœur. Ils considèrent ça comme leur mission et le résultat de leurs travaux devrait être vraiment mieux entendu et mieux disséminé. Je suis tout à fait d'accord avec Henriette. Il est très important que les solutions que formulent les coalitions soient objet de débats multilatéraux. Je veux aussi ajouter que pendant de nombreux sommets IGF, je parle aussi des sommets nationaux que régionaux, s'engager des bénévoles, mais le nombre de bénévoles tombe. Ça doit être dû aussi à la pandémie, mais c'est aussi un enjeu auquel nous devons faire face dans le futur. Je vous remercie beaucoup. Donc Tatiana, Marianne, pardon, je te passe la parole encore. Oui, merci. Heureuse de participer à cette session. Je vais essayer de manière très concise vous dire ce que nous pouvons faire en tant que représentants de la coalition dynamique en coopération avec le forum de gestion d'Internet. J'aimerais en effet répéter ce qui a déjà été dit ici. Nous avons besoin de plus de soutien matériel et nous avons besoin aussi une reconnaissance un peu plus formelle des résultats de nos travaux. Indépendamment de combien nos résultats peuvent s'en être et que nos conclusions peuvent paraître controversées, nous voudrions que ces résultats soient reconnus de manière formelle. Souvenons-nous que le forum de gestion d'Internet est un domaine très particulier de fonctionnement de l'ONU. Et nous voudrions faire partie de ce processus. Nos yeux sont dirigés vers le sud. Nous disons tous que l'accès au réseau devrait être plus inclusif, plus universel. Mais pour en arriver là, nous devons faire du travail à de nombreux niveaux. Et c'est ainsi que se déroule aussi le travail des coalitions dynamiques. Je pense que les agendas de l'ONU peuvent faire, les agences peuvent faire énormément ensemble avec les organisations des pays membres. Et pour terminer, j'aimerais vous dire aussi merci pour votre travail fantastique qui est fait par ces coalitions dynamiques. Et je pense que c'est des activités vraiment pionnières. Je suis heureux que nous ayons réussi à organiser une session sur les coalitions dynamiques dans le cadre de l'IGF de cette année. Merci beaucoup. J'ai reçu un signal que nous devons terminer. Alors vraiment, un dernier commentaire, je vous en prie. Nous devons tout le temps travailler
à un développement plus durable de l'espace numérique, renforcer les liens existants entre les organisations internationales et les agences des Nations Unies. Il est également important de redoubler d'efforts afin d'aller vers plus de dynamisme et plus de rapidité, parce que les changements qui sont nécessaires très rapidement. Je vais maintenant donner la parole à Jason. Oui, moi, juste pour remercier tout le monde, remercier tous les intervenants pour ce qui est du soutien matériel apporté aux coalitions dynamiques. J'aimerais savoir de quelle somme on parle. Et si des chiffres concrets arrivent, je pourrais peut-être faire des propositions. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que les coalitions dynamiques ont mis au point ont tiré des conclusions extrêmement concrètes, ce qui permet de créer des connaissances, de créer de la connaissance, de créer du savoir, et en coopération avec notre bureau et le secrétariat du Forum de gouvernance Internet, nous pourrions être en mesure de créer une plateforme de coopération avec les universités, avec les entrepreneurs, avec les journalistes, de manière à pouvoir réfléchir ensemble à la manière dont nous pourrions faciliter l'accès aux rapports synthétiques des coalitions dynamiques qui font toujours un travail fantastique, mais dont les fruits ne sont toujours pas visibilisés, mis en exergue. Le savoir que l'on crée, il est bon de le partager de manière à faire avancer les choses pour ce qui est de la numérisation dans divers aspects. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à M. Wai Min Kwok. Merci beaucoup, Jennifer. Je voudrais moi aussi dire deux mots sur l'importance de nous engager plus encore, mais aussi de mobiliser le secteur privé. Il faut mobiliser les entreprises, dont les plus importantes, dans les big tech. Le secteur de l'entreprise, et notamment les entreprises technologiques, devrait participer aux travaux des coalitions dynamiques. Et puis je suis d'accord avec ce qu'a dit Jason quand il disait que les compétences, les connaissances créées grâce aux coalitions dynamiques pourraient être fort utiles pour les représentants du monde de la science, du monde des médias. Mais je pense que le maillon manquant ici, c'est quoi? C'est l'engagement du secteur privé. Et c'est un défi, je pense, pour ce qui est du forum de gouvernance Internet. Donc il faut aller les voir, il faut aller voir le secteur privé. Et en coopération avec l'UNDES et d'autres agences des Nations Unies, ce secteur privé, dis-je, pourrait faire sa part du travail pour améliorer ce qu'est le secteur numérique à l'avenir, dans le cadre de notre accord mondial. Aussi, merci beaucoup. Merci pour votre apport. Merci à tous les intervenants, à ceux qui sont présents ici à Katowice en Pologne, mais aussi à ceux qui étaient connectés en ligne. Merci à l'équipe technique, merci aux interprètes. Souvenons-nous d'une chose, c'est que les coalitions dynamiques présenteront les résultats de leur travail de manière plus détaillée lors des différentes sessions dans le cadre de l'IGF. Je vous invite donc à consulter le programme. Merci beaucoup.